Avec un premier signe encourageant aussi sur le front du Covid, c'est une bonne nouvelle. Le nombre de contaminations recule du côté de Dunkerque. La ville avait été, souvenez-vous, l'une des premières à être reconfinée le week-end. C'était en février dernier, fin février. Eh bien, visiblement, les mesures de restriction commencent à avoir un effet. Frédéric Prabonneau avec nos correspondants sur place, Barbara Six et Alexandre Lépinet. Une bouffée d'air pour Dunkerque. La ville a été l'une des premières placées sous confinement le week-end, dès le 26 février. Le nombre de cas pour 100 000 habitants dépassait alors le millier. Il est descendu à 415. Un soulagement pour les habitants. Avec un chiffre comme on a atteint, on était les champions du monde. Donc, il y avait certainement un problème. Ça descend tout doucement, mais ça descend. Donc, c'est nous qui va faire descendre le corona, hein. C'est vous, c'est moi. Il y avait beaucoup de gens sans masque, tandis que maintenant, non, ils mettent leur masque. Il y a un changement quand même. On était dans le rouge, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont été vaccinés maintenant, hein, dont moi d'ailleurs. Si les nouveaux cas baissent, ils restent au-dessus du seuil d'alerte. L'hôpital de Dunkerque accueille encore 64 patients Covid au lieu de 82 il y a un mois. Le privé reste mobilisé pour soulager le public. Et 36,4, c'est parfait. Mais cette clinique est moins sollicitée. Sur 20 lits Covid, 12 étaient occupés ce matin. Il y avait encore quelqu'un jusqu'à fin de semaine dernière. Et donc ça s'est libéré sur le week-end. Les cas les plus lourds sont encore présents. Aux soins intensifs ou en réanimation au sens large du terme, moins de patients légers en conventionnel. C'est possible que ça soit l'un des effets du confinement, oui, clairement, oui. Il faut peut-être se donner un petit peu plus de temps, quoi. Faire peut-être une semaine ou deux ou trois semaines, savoir avec les mesures de confinement, quoi. Enfin, est-ce que ça va se continuer vers la baisse, c'est ce qu'on espère tous. Espoir aussi côté vaccination. Dans le Nord, presque 15% des habitants ont reçu au moins une dose.